Mesdames, Messieurs, amis internautes, bonjour, bienvenue à ce titrologue de ce mardi 6 septembre 2021. Présidentielle 2025, guerre de positionnement au PDCI-RDA, Yasmina Ognin, que toutes les personnalités du parti puissent décliner leur projet, affirme-t-elle à la une du journal Fraternité Matin. Retrouvez l'intégralité des propos de Yasmina Ognin dans Fraternité Matin. Coup d'état militaire hier à Conakry, Guinée, Condé emporté par le troisième mandat, se demande le nouveau réveil à sa une. En effet, le responsable des mutins hier a déclaré détenir le président Alpha Condé en lieu sûr. Les détails dans le nouveau réveil. Nous avons grandi ensemble et nous évoluons toujours ensemble, main dans la main, toujours aussi proche et encore plus innovant. Pour vous faire profiter, ainsi qu'à vos proches et à toute la Côte d'Ivoire, des meilleures avancées technologiques, pour une meilleure qualité de service. Banque Populaire, partout, proche de vous. Arrivé en Côte d'Ivoire depuis bientôt 2 mois, Laurent Gbagbo ne paye pas ses collaborateurs, peut-on lire à la une du journal Le Jour Plus. Son service de communication se défend. Retrouvez dans Le Jour Plus la réponse des collaborateurs de Laurent Gbagbo. Pour aujourd'hui, c'est terminé. Retrouvez tous vos journaux en ligne via la plateforme monkiosque.com. Merci de votre aimable attention et à demain.